avis Ron Pound, bref, je n'arrive pas trop à lire anglais. Après, on a celui-là qui a des belles mitraillettes. Ainsi que lui, on a une active défense, je crois que c'est un drone ou quelque chose dans ce style. On a un fusil à pompe, le pibule, il me semble. On a une mitraillette dont je me souviens plus très bien du nom. Un pistolet secondaire dont on a dans je ne sais plus quoi comme jeu, enfin bref, on a deux gadgets. Et le bandit. On a une trousse de secours, on va dire. Une MP7 et le pilule, il me semble. Et deux gadgets aussi. Donc après les specs nazes, on a un bouclier. On a pour faire exploser les sous-sols et tout ça. Grenade. Cette arme, c'est une nouvelle arme hyper lourde et qui accroche bien. La K-47, comme vous le reconnaissez. Hop, voilà les JIGN. On a un drone. On a, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, la demi-traite et le fusil à pompe. On a le Magnum en deuxième arme secondaire. En gadget, on a à peu près tout. Là, on a un bouclier extendable qui sert à poser sur le sol. Et on a toujours le Magnum en deuxième arme secondaire. Là, on a deux genres de mastodontes qui sont incroyables. Et donc, voilà, je suis ravi et j'espère l'avoir testé le jeu avant qu'il se finisse et avant que le jeu réel sorte. Donc, le FBI que je voulais montrer. Voilà. Et le SAS. C'est aussi meurtrière qu'une poubelle à décharge, du mot. Donc voilà, c'était un beau petit gameplay. Moi j'ai fait déjà mon perso, hein. J'ai acheté plusieurs trucs à mon arme, plusieurs objets. J'ai acheté celui-ci, j'ai acheté lui. Le silencieux, ça ne sert à rien pour l'instant, ça c'est bof. Ça c'est plus pour nous faire repérer. Et ça, ben, ça c'est les couleurs des armes. Bon, il y en aura plus, hein. Et voilà. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve une prochaine fois, ben, pour faire un gameplay du multiplayer. Je vous dis bye bye, à la prochaine.